band. It was a guitarist then quite unknown. It was Wes Montgomery. J'espère que vous allez bien, bienvenue de retour sur la chaîne. Et aujourd'hui, pour ce week-end, Ford m'a très gentiment prêté En 1968 sort le film Bullitt au cinéma avec Steve McQueen, l'homme le plus cool de l'histoire. Ce film est devenu culte pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un film policier, si vous ne l'avez pas vu vraiment, je vous invite à aller le voir. À le voir sur internet ou partout où vous pouvez le voir. Déjà Steve McQueen, le jeu extraordinaire, Oscar du meilleur montage en 1969, nominé pour la meilleure bande son aussi aux Oscars, et le film est devenu culte pour plusieurs raisons. La poursuite dans San Francisco entre la Ford Mustang et la Dodge Charger, et la Ford Mustang qui aujourd'hui s'appelle Bullitt. Alors pourquoi elle s'appelle Bullitt? Qu'est-ce qu'elle avait de spécifique dans le film? Déjà il y a sa couleur, le Dark Green Highland. En France, ils appellent ça le vert Highland. C'est un vert foncé, très très classe. Steve McQueen voulait des Ford Mustang, donc ils avaient demandé à Ford de leur prêter des Mustang pour le film. Et Ford n'avait pas voulu pour diverses raisons, donc suite à cette embrouille, à écouter. Suite à cette embrouille, bah, ils ont décidé d'acheter eux-mêmes les Ford Mustang et ils ont enlevé tous les badges Ford et tous les badges Mustang dessus, juste pour faire une sorte de pied de nez à Ford. Mais comme le film a extrêmement bien marché, cette voiture est devenue légendaire. Ça a participé à la légende de la Ford Mustang, hein, d'ailleurs, Bullitt. Oh là 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 là. Et donc voilà, Steve McQueen au volant de la Ford Mustang Bullitt, un V8, un gros V8, la muscle car par définition. Et aujourd'hui, ils ressortent du coup une version qui est vraiment à l'image de l'ancienne, mais sur la plateforme de la nouvelle. Si vous vouliez en acheter une en France, c'est mort. Édition limitée à 82 exemplaires pour la France, tous vendus évidemment. Mais donc sinon, qu'est-ce qui change sur cette Mustang par rapport à la Mustang GT V8 normale? Elle est 7 000 € plus chère pour le prix de base, donc elle est je crois à 56 900 € prix de base sans malus, malus de 10 000 € évidemment à rajouter. V8 5 litres, 460 chevaux, on rajoute 10 chevaux, un peu plus de 500 Nm de couple, et elle dispose du même échappement, elle ne fait pas plus de bruit, mais elle fait toujours ce bruit délicieux, vraiment ce bruit de muscle car. Tu peux mettre l'échappement en mode silencieux ou en mode sport, et évidemment, il est toujours en sport. Boîte mécanique uniquement sur la Ford Mustang Bullitt, avec le pommeau de levier de vitesse, style boule de billard un petit peu. Cette bande son, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas, et donc aujourd'hui c'est un essai un petit peu différent. On va pas aller trouver des petites routes et tout. Ce week-end c'était très compliqué niveau manifestation de la couleur jaune à Paris, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai pas pu la prendre hier, je la prends aujourd'hui. Oh là là, et le talon pointe, tu le fais toi-même. Hein. J'ai lu qu'il y avait un système rev matching sur la boîte méca, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner, donc je le fais moi-même. C'est pas un vrai talon pointe que je fais, évidemment, c'est un double débrayage, un rétrogradage si vous préférez. Oh là 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 là, là on est à 2500 tours minute, mais c'est ce bruit grave, qu'est-ce que c'est beau. Et alors, cette Ford Mustang Bullitt, elle fait énormément tourner la tête. Parce que elle est pas si voyante que ça, elle a une couleur plutôt discrète, un vert foncé, mais déjà, c'est un vert classe. Et surtout, elle a pas de signe Mustang à l'avant, elle a pas de badge Ford, elle a pas de badge Mustang à l'arrière. Donc les gens, ils voient une voiture de sport, au passage piéton, les gens, ils regardent, tiens, il y a pas de signe et tout, c'est assez marrant. Puis quand ils entendent le bruit, ah, là, ils sont contents. C'est un bruit oppressant. Quatrième. J'adore, ça ronronne. Très important. Ça ronronne. On va
baisser un tout petit peu la fenêtre. Ça fait plaisir de décrasser les pistons d'un bon gros V8 5 litres. On a juste envie de refaire la poursuite dans San Francisco à la Steve McQueen. Ça, pour moi, vraiment, la Mustang et encore plus la Mustang Bullitt, c'est la définition de la muscle car. Dans la poursuite dans San Francisco, la course-poursuite se faisait entre la Mustang de Frank Bullitt, le lieutenant de police incarné par Steve McQueen, et une Dodge Charger noire avec les méchants dedans. Évidemment, je ne vous donne pas l'issue de la course-poursuite si vous n'avez pas vu le film, mais regardez-le, c'est iconique. Et sur cette voiture, ils ont conservé les aspects de celle qu'il y avait dans le film. Vous trouverez aucun badge Ford et aucun badge Mustang dans la voiture. Sur le volant, il n'y a pas le Mustang. À l'avant, à l'arrière, il n'y a pas le Mustang. Il est marqué Bullitt. Ça, c'était pas marqué dans le film. Mais évidemment, c'est un petit clin d'œil. Alors, en ville, la boîte manuelle, c'est peut-être pas de ce qu'il y a de meilleur. Dans Paris, franchement, moi, je suis pour la boîte automatique. Mais sur une Mustang, c'est quand même un plaisir de manier la boîte manuelle. Elle est très précise. Elle est un peu dure, mais elle est très précise. L'embrayage n'est pas trop dur, il est totalement possible de l'utiliser en ville, mais si tu fais du Paris avec que des bouchons maintenant, ça va être un petit peu fatigant. Niveau consommation d'essence, je vais pas vous donner les valeurs exactes parce que je les ai pas sous les yeux, mais disons que dans une demi-journée où tu vas rouler peu, tu vas bouffer un quart du réservoir parce que tu peux pas la conduire avec, écologiquement cette voiture, c'est impossible. T'as un gros V8, t'as une boîte manuelle, t'as juste envie de jouer tout le temps avec. Donc vaut mieux avoir la carte totale qui va avec. En ce qui concerne le prix, 56 000 euros, donc 66 000 euros avec le malus, elle est déjà plus optionnée, hein, celle-ci. Il y a le système Bang & Olufsen, il y a les sièges chauffants, ventilants. Ça peut paraître une grosse somme d'argent, 60 000 euros, mais je vous mets au défi de trouver une voiture neuve aujourd'hui avec 460 chevaux à moins de 65 000, 60 000 euros. Bah, c'est impossible, je pense. La Ford Mustang, c'est la moins chère des sportives d'entrée de gamme. C'est, je dirais pas sportive en fait, parce que la Mustang pour moi, c'est une voiture de sport, parce qu'il y a un gros V8, on appelle ça une voiture de sport, c'est un coupé, c'est un fastback comme on l'appelle chez Ford. Mais ce n'est pas une voiture qui est vouée à faire des chronos sur circuit. Elle est lourde, elle est très lourde, la Ford Mustang, elle fait 2 tonnes, et le V8, il a du couple, il a de la puissance, 460 chevaux, mais c'est pas un V8 italien qui va t'écraser dans le siège dès les premiers tours minutes. Faut le monter, le V8 est un petit peu... Bah, il est américain. Il est américain, il aime bien prendre son temps, le V8, pour monter dans les tours. Et la suspension est très confortable, les sièges sont très confortables. C'est une voiture avec laquelle tu vas pouvoir voyager, mais beaucoup plus voyager que faire des tours sur le circuit. Tiens, j'ai une question à vous poser d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires, entre une Mustang Bullitt, les originales, hein, l'original, celle du film, et une Mustang Eleanor, vous choisiriez quoi? Personnellement, je prends la Bullitt, parce que Steve McQueen. Et voilà, dites-moi dans les commentaires, Bullitt ou Eleanor, deux Mustang légendaires. Voilà, on est dans l'ultime Mustang, la Bullitt. C'est dur de pas se prendre pour Steve McQueen, parce que là, faudrait un permis à 300 000 points sur... Aujourd'hui, ce qui est bien avec les Mustang, c'est qu'on a le caractère du moteur du gros V8 du big block américain avec le comportement et la sécurité d'une européenne. Avant, les Mustang, ça tenait pas la route. C'était des voitures de ligne droite. Oh là là. Et aujourd'hui, tu peux aussi prendre les virages avec, ce qui est pas plus mal. Celle-ci est dotée en option des suspensions adaptatives, donc selon si tu mets le mode normal ou le mode sport, les suspensions vont se durcir, ce qui est très bien, parce que c'est aussi un des reproches que j'avais sur la Mustang, c'est que en conduite sportive, t'atteins vite la limite des suspensions. Elle aime bien une conduite un petit peu dynamique, mais pas une conduite sportive parce que les suspensions sont trop molles. Si t'as les suspensions adaptatives, ça corrige un peu ce défaut, et c'est pas plus mal. On se sent plus en sécurité, et la voiture, le comportement est plus précis quand tu l'insères dans un virage. Après, toujours, c'est une pure propulsion. Donc, si tu déconnectes les aides, fais attention.
Mais sinon, elle est un petit peu joueuse. C'est assez agréable quand même de la pousser un petit peu en sortie de virage. C'est très contrôlable si tu mets juste le mode sport. Si tu déconnectes tout, après, c'est ton problème. Mais c'est quand même une voiture assez amusante, assez ludique. Mais faut pas se faire avoir parce qu'elle est très lourde. Donc si elle part, ça pardonne pas. Du coup, extérieurement, ce qui diffère sur cette Mustang Bullitt, c'est l'absence totale de signal avant et le chrome tout autour de la bouche d'aération principale. Ces extensions qui sont un peu plus grandes que sur la normale, je crois. Et il n'y a aucun badge Mustang à part sur les petits caches centraux. Jantes spécifiques, elles sont très très belles. Ça rappelle celle du film évidemment, étrier de frein rouge. Pas de badge 5 litres. Et pas de badge Mustang à l'arrière, juste un gros badge Bullitt. Les 4 sorties d'échappement, comme sur les nouvelles Mustang. Et cette ligne qui est vraiment muscle car quoi. Magnifique. Le vert, je sais pas si on se rend bien compte, parce que là il fait un petit peu sombre, un petit peu gris. Mais cette ligne fastback et cette couleur sont vraiment très 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 classe. Voilà. Il fait pas très beau malheureusement, mais... Je vais vous montrer l'intérieur aussi. Du coup, à l'intérieur, bon, c'est Mustang classique, les sièges sont très confort et surtout, ce qui diffère principalement, c'est ce petit pommeau de levier de vitesse en boule de billard et le sigle Bullitt. Et quand tu la démarres, voilà, il y a le petit signe Mustang qui s'allume. On va y aller. Impressionnant quand tu la conduis aussi, c'est les dimensions de la voiture, parce qu'elle est très large, on voit pas où s'arrête vraiment le capot. Je crois qu'elle fait 2 mètres de large. Faut y aller mollo quand tu rentres dans un parking et faut faire attention au trottoir. Évidemment, sur route mouillée, faut faire encore plus attention, parce que dès que tu vas titiller l'accélérateur, la lampe d'anti-patinage va s'allumer. J'espère que cet essai de la Mustang Bullitt 2018, c'est la troisième fois que Ford réédite la Bullitt et pour moi c'est la plus belle celle-ci. Non seulement évidemment c'est la dernière plateforme de la Mustang qui est la plus aboutie, mais je trouve qu'en style elle reprend encore plus le style Bullitt qu'il y avait dans la Mustang du film en 1968. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas la petite cloche, très important pour les notifs, et à très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.